الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانا، وجعلها صلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك إيمانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو خالقنا ومولانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخشى الناس لربه سرا وإعلانا، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، chers frères en islam, nous avons devant nous euh, le livre le plus célèbre certainement euh, de son auteur qui n'est autre que le chère Mohamed Nasruddin al-Bani rahimahou ta'ala. Ce livre, il s'intitule Sifat al-salat nabi sallallahu alayhi wa sallam minat takbiri ilat taslimi ka'annaka taraaha Donc, c'est la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam du takbir jusqu'aux salutations comme si tu la voyais devant toi. Cet ouvrage, c'est l'un des premiers livres qu'a écrit l'auteur. Il en a terminé euh, la composition à l'âge de 33 ans environ. Euh, après avoir terminé euh, l'explication du chapitre de la prière euh, tirée du livre « Al-Tarhib wa Al-Tarhib » de l'imam al-Mundiri, il décida euh, de rassembler toutes les informations relatives à la description de la prière du prophète. Alayhi wa Pourquoi Parce que, à sa connaissance, il n'y avait pas de livre qui traitait de ce sujet de manière spécifique, de manière particulière. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, l'auteur, rahimahou ta'ala, il a écrit une longue introduction dans laquelle il a traité plusieurs points. Parmi lesquels, premièrement, il a évoqué les paroles des quatre imams, les quatre savants qui sont les références, qui sont les référents des quatre écoles juridiques connues, qui sont Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al et l'imam Ahmed. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Et il a cité leurs avis, il a cité leurs paroles, pardon, pour montrer que tous, ils étaient unanimes, pour affirmer que ce qu'il fallait suivre, ce ne sont pas leurs avis, ce ne sont pas leurs, les avis, les choix personnels qu'ils ont adoptés dans la jurisprudence, mais qu'il fallait retourner inévitablement à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité, par exemple, la parole de l'imam Abu Hanif, rahimahullah, qui disait « Ida sahhal hadithu, Lorsque le hadith il est authentique, alors voilà mon madhab, voilà mon avis, voilà mon école. L'imam malik, Rahimahullah, qu'est-ce qu'il disait Il disait, je ne suis qu'un être humain, je me trompe et parfois je fais juste. Parfois je me trompe, parfois je fais juste. Regardez mon avis. S'il est en conformité avec le Coran et la Sunna, alors prenez-le. Sinon, délaissez-le. Il a cité ensuite l la parole de l'imam chef, qui disait la même chose que l'imam Abu Hanifa. Il disait, à partir du moment où le hadith il est authentique, alors c'est mon école, c'est la vie que j'adopte. Et il a cité la, vie de, 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 la parole de l'imam Ahmed, qui disait, fil la preuve, elle se trouve dans les hadiths. Les hadiths, ce sont les hadiths du prophète. Alayhi wa sallam. Ensuite, il cita les paroles de certains savants qui délaissèrent les avis de leur école pour se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est très important. Et comme on le voit, c'est l'avis des quatre imams, des quatre grandes écoles juridiques, c'est que euh, ces quatre grands imams, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, disent qu'il faut revenir euh, obligatoirement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et délaisser leurs avis quand ils sont contraires à la sunna du messager d'Allah alayhi wa sallam. Ensuite, euh, comme c'est son habitude dans ses, ses ouvrages, dans ses écrits, il a répondu à des équivoques il a répondu à certaines problématiques. La première de ces équivoques c'est que certaines personnes ils lui ont dit ou alors ils font courir le bruit que c'est quelque chose qu'on entend très fréquemment d'ailleurs même jusqu'à nos jours, c'est que certains savants et certaines personnes pardon, ils disent, ils répètent sans arrêt ikhtilafu ummati rahmah. ummati rahmah, la divergence de ma communauté c'est une miséricorde. C'est un bien pour la communauté la divergence. C'est une miséricorde, c'est une facilité. L'auteur, rahima qu'est-ce qu'il a dit Il a dit ça, c'est faux pour deux raisons. La première, c'est que le hadith, il est faux. « Ça, c'est une parole qui n'a aucune origine, aucun fondement jusqu'au prophète Et la deuxième des raisons, c'est que cette parole, elle contredit des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu Et même des paroles des compagnons. En effet, Allah, dans le Coran, il a dit « Wa yazaluna illa man les gens ne cesseront d'être divisés, sauf ceux auxquels Allah il fait miséricorde. Donc le chir, il dit, ceux auxquels Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas fait miséricorde, ils seront divisés. Et ceux auxquels Allah fait miséricorde, eh bien, c'est qu'ils ne seront pas divisés, justement, et qu'ils ne divergeront pas. Ensuite, la deuxième équivoque, c'est que on lui a dit, bon, d'accord, le hadith est faible, il ne remonte pas jusqu'au prophète, salam salam, mais alors qu'est-ce que tu dis des divergences des compagnons Qu'est-ce que tu dis des divergences des compagnons Les compagnons, ils ont divergé. Les compagnons eux-mêmes, qui sont les élèves du prophète Ali, ils ont des avis différents. Qu'est-ce que tu dis de cela Et là également aussi, il a répondu de deux manières. Il a dit premièrement, c'est une divergence naturelle. C'est quelque chose de naturel que les compréhensions, les niveaux de connaissance des compagnons, ils n'étaient pas identiques. Ils n'avaient pas tous le même niveau de compréhension. Ils n'avaient pas tous le même niveau de science. Pas tous le même niveau de connaissance. Donc c'est normal que parfois ils, ils adoptaient des avis des avis différents. Mais ce n'était pas quelque chose de voulu. Les compagnons du prophète Ali salat wassalam, ils ne cherchaient pas cette divergence. Ils ne couraient pas après la divergence. Et on a interrogé l'imam Malik, il a cité justement une parole de l'imam Malik, qui a été interrogé sur la divergence des compagnons. On lui a dit, est-ce que la divergence des compagnons, c'est une facilité, c'est une opportunité à saisir, c'est un bien pour nous Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit aucunement. Il a dit certainement pas. Il a dit parce que... Soit un avis il est juste, soit un avis il est faux. Il a dit les mêmes la vérité, elle est unique. La vérité, elle est unique. La vérité, l'avis la qui est juste, il est unique. Il ne peut pas y avoir deux avis justes. Euh, C'est vrai que les avis, les, savants, les compagnons pardon, ont divergé, mais ils détestaient la divergence. Et ils s'en écartaient au maximum. Ils ne cherchaient pas à diverger. Contrairement à ce qu'on entend euh, de nos jours. Euh, la divergence, la divergence, la divergence. Euh, il faut avoir un avis euh, euh, yani ouvert, bien sûr, c'est vrai. Il faut euh, être tolérant, mais il ne faut pas courir derrière la divergence. La divergence, c'est pas un slogan, c'est pas une rengaine qu'on doit manger à toutes les sauces. La deuxième réponse du Chir, il a dit que malgré que les compagnons, ils ont divergé, ça n'en faisait, ça, ça il n'en restait pas pour autant, il n'en restait pas, euh, ils en restaient, pardon, toujours des frères. Et euh, ils restaient unis. Ça ne les a pas poussés à la divergence. Ça nous a pas poussés à la division, à la haine, à la rancœur et à la jalousie, à la jalousie ou autre. Et euh, pour preuve, euh, j'aime à me rappeler ainsi qu'à vous le, 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 la position de Abdullah ibn Masoud qui, lors du pèlerinage, euh, il a été obligé de faire quatre unités de prière à Mina, alors qu'il a dit, moi j'ai fait deux unités derrière le prophète, deux unités derrière Abu Bakr, deux unités derrière Omar, et deux unités pendant une certaine période du califat de Uthman, et nous voilà qu'on est en train de faire quatre unités de prière, et il a fait quatre unités de prière, Abdullah ibn masoud derrière Uthman ibn Affan. Et ensuite, quand on lui a fait la remarque, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, il a dit Al -sharr, la divergence, elle est mauvaise. La divergence, elle est mauvaise. Ensuite, l'auteur, il a répondu à une troisième équivoque. À ceux qui prétendent que Cheikh al-Albani, il est contre le madhab. Donc voyez, ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, chers frères en islam. Ça, ce n'est pas des années 2000 ou de notre époque. Ça, c'est depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on reprochait à Cheikh al-Albani. Bien entendu, ce ne sont pas les savants qui reprochent ça à Cheikh al-Albani. Ce sont les ignorants, les ignares, ceux qui ne connaissent rien à leur religion, ceux qui répètent bêtement comme des perroquets ce qu'on leur dit. Il dit, Cheikh al-Albani, d'où madhab Bien sûr que non, subhanallah. Et l'imam al al-Bani, il a répondu déjà. Il a répondu il y a dizaines d'années à cette, à cette accusation euh, qui est complètement fausse et qui n'a aucun fondement, aucune origine. Euh, malheureusement, comme le dit le poète, euh, si tu ne sais pas euh, ce que tu dis et ce que tu avances, c'est un malheur. Mais si tu le dis en connaissance de cause, eh bien le malheur, il est plus grand encore. El -muhim. Donc le Cheikh al-Albani, ala, il a répondu à cet équivoque. Et qu'est-ce qu'il a dit, il a dit ce qu'il blâme, lui. C'est pas le madhahib. D'ailleurs, cher frère en islam, celui qui lit les livres de Cheikh al-Albani, celui qui écoute ses cours, qui sont par centaines et par milliers, il verra très bien que Sheikh al albani n'est pas contre le madhahib, Subhanallah et que très souvent dans ses livres il revient au madhahib, Taala et qu'il aime citer les paroles des madhahib, comme l'Imam Abu Hanifa. D'ailleurs son père est un savant Hanafite. Il a grandi dans le Hanafisme l'Imam al rahimahoullahu Taala. Il cite les avis de l'Imam Malik, il cite les avis de l'Imam Ahmed. D'ailleurs il a un livre dans lequel il défend l'Imam Ahmed rahimahoullahu Taala, ahmed et il a également aussi des avis, il cite les avis de l'imam Shafi'i, et d'autres, et d'autres. Mais ce qu'il reproche l'imam al-Albani, c'est qu'on fasse passer les madhabs devant le Coran et la Sunna. Ça c'est quelque chose qu'il n'accepte pas. L'imam al-Albani, il réfute l'avis qu'on doit faire passer les madhabs et les avis des savants au-dessus de la parole d'Allah et au-dessus de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa C'est ça qu'il réfute l'imam al bani ce n'est pas le madhahib. L'imam al bani il est pour les madhahib, ta'ala. Mais ce qu'il réfute, c'est de faire devancer les madhahib sur la parole d'Allah et celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième euh, équivoque qu'il a soulevée, c'est un reproche qu'on lui fait également aussi, on lui dit, tu n'as pas le droit de dire que les savants se sont trompés. Tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas dire l'imam il s'est trompé. Et subhanallah, il a dit comment ne pas le dire, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit. Le prophète il a dit, Lorsque le savant, ou lorsque le juge, ou lorsque le jury consulte, il fait un effort d'interprétation pour arriver à un avis juridique, et qu'il se trompe, eh bien il n'aura qu'une seule récompense. Donc comment ne pas dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a, il, il a dit lui-même Parce qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas qu'on dise ah, l'imam Malik qui s'est trompé, l'imam Abu Hanif il s'est trompé, l'imam Ahmed il s'est trompé. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il l'a dit alayhi wa Donc, euh, voilà, ces quatre euh, équivoques auxquels il a répondu euh, ta'ala et il aimait à rappeler euh, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fa'in shay. Allah dans le Quran nous dit, si vous divergez sur une question, sur un sujet, sur un point, alors renvoyez cette question, ce point, cette divergence à la parole d'Allah et à celle du prophète, c'est bien meilleur et de meilleure résolution pour vous. Ensuite, après avoir terminé cette introduction, euh, L'imam, il a euh, eh bien justement traité la prière du prophète, alayhi wa sallam, comme si on pouvait la voir devant nous. Il a parlé de, euh, de, du fait de se mettre en direction de la Qibla, du fait de se tenir debout, de la prière du malade, euh, de la prière en, en chaussures ou en sandales, de, de, des choses qui coupent la prière du, du croyant. Euh, les, les, ensuite, il a parlé euh, de, de l'entrée en prière, les formules de l'entrée en prière al à la demande de protection contre le diable, Al-Basmala, la lecture de la Fatiha, est-ce qu'il faut réciter la Fatiha derrière l'imam ou pas, que, que la prière soit à voix haute ou à voix basse. Ensuite, il a parlé euh, que, euh, de, de, de la lecture, des lectures du prophète alayhi wa sallam, dans chacune des prières, qu'est-ce que le prophète lisait dans le Fajr, qu'est-ce qu'il lisait dans le Dohor, dans l'Asar, dans le Maghreb, dans isha et ainsi de suite. Et ensuite, il a parlé de l'inclinaison, de la prosternation, du Tashahud, des salutations, et ainsi de suite. Donc euh, c'est un livre indispensable pour chaque musulman parce que chaque musulman il est concerné par la prière et celui qui veut connaître la prière du prophète sallallahu wa sallam, et eh bien c'est certainement l'un des meilleurs ouvrages si ce n'est pas le meilleur ouvrage euh, qui traite de ce sujet. Euh, pour terminer il a clôturé son ouvrage euh, par une khatima par une conclusion en disant que tout ce qu'il a écrit dans son livre là c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes sans distinction aucune c'est-à-dire que la gestuelle de la prière elle est valable pour les hommes mais c'est exactement la même chose pour les femmes également. Il n'y a pas de divergence jusqu'à preuve. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes concernant la gestuelle de la prière, jusqu'à preuve du contraire. Voilà un bref aperçu euh, de ce magnifique livre euh, que chacun d'entre nous a certainement déjà lu au moins une fois dans sa vie, certainement. Et euh, l'ouvrage en trois volumes que vous avez devant vous, c'est l'ouvrage original avec euh, les chaînes de narration euh, détaillées, avec beaucoup de. L'auteur est rentré dans beaucoup de détails. Et celui-ci qu'on a صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. En demandant à الله سبحانه وتعالى qu'il fasse miséricorde qu qu نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للإمام الألباني وأن يرحمه وأن يرفع درجاته في عليين. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.